Zami émission Écho des Arts, bonsoir. C'est toujours un plaisir dans l'émission Écho des Arts pour nous porter rubrique artisan pour vous, la caillou. Jodi an, nous allons parler avec Anise Créativité qui t'a organisé yon avant-goût 4e édition yon nan tabou Delma 31. Mais avant nous jeune plus de détails, nous allons poser pour nous. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Anise Team, qui c'est Salon de la Créativité, t'es organisé une foire artisanale non jour qui t'es 24 et 25 avril 2021. Foire ça t'es organisé dans objectif pour annoncer 4e édition yo qui gain pour fête. Dans foire ça, c'était une occasion pour plusieurs participants t'es exposer produit yo. On a découvert ensemble avec comment ça t'es. Content de l'initiative qui justement a aidé à pousser la consommation locale avec produits locaux. C'est pour une fois que moi je viens dans l'édition ça, oui. Oui. Donc, qui produit vous pour présenter là? Moi j'ai gagné un petit punch qui c'est un punch de fruits qui fait à base de plusieurs types de fruits, gonadia, cerise, ananas, mango, kenep, qui c'est justement une recette ancienne parce que pifois haïtien connaît ça qui est les punch kenep là et que moi-même moi reproduis un différent autre type de fruits et qui fait justement de manière très organique. Ça ouais comme milieu c'est ananas et puis gagne mango, gagne gonadia et puis cerise et puis me gagne un qui gagne un mix de toutes fruits que moi bail dégustation avec. Ça c'est mango, ça c'est ananas, et là nous avons grenadia et puis cerise. Qui saveur et chaque gain, est-ce que c'est très bon ou bien qui ça? Oui, oui, ou quand même déguster ou même pour dire ce qui sont pensés de lui. Et oui, il y a des goûts différents parce que vous connaissez que chaque trempé de fruits, finalement, les livines macérées, les livines baillent goût fouillant. Donc, en macération, et mango a bra relevé à goût mango plus recette là et même j'en pour ananas même j'en pour grenadine etc. Donc à qui ça vous fait? C'est en composition, c'est d'abord on fait liqueur, OK, qui gagne tout produit que j'aime dire c'est des produits locaux, que ça soit clairin local que m'a utilisé, cannelle, anis étoilé etc. et puis plus macération de fruits gagne là d'un côté que dans recette là fruits tout mélanger avec liquide là avant que lui-même li vienne en macération. Nous présenter collier qui plus pour mon comme si gain qui fantaisie gain qui fait élégance tout mon ka mettre au poil l'église si on met un robe simple pour embellir robe blanc etc. Après ça nous présenter pièces les bracelets tout etc. Rapidement on ka montrer nos différents colliers alors type or et bleu roi les plus fantaisie ou ka pral ou mettre un maillot qui simple ou on que lever ensemble avec l'autre blanc, ok, ou cap à l'église, non, très belle occasion, grande occasion, graduation, etc. Ou mettez-le pour porter plus élégance dans l'habillement. Et bracelet, ou dit, moi, j'ai un anneau qui fait, comment on fait, ou à qui ça ou fait, ou pas. Si je prends un anneau, ça, par exemple, des fêtes ensemble avec perles, en l'air ou c'est perles, mais deux d'autres, ça, c'est des pierre qui fait en plastique. OK? Après ça, le plus souvent moi-même moi utiliser petit pierre pour me faire coller. C'est toujours petit pierre. C'est très rare pour m'utiliser gros pierre ça au dans collier. OK? C'est plus ça nous moi faire ensemble avec.
ça qui est toujours positif pour moi depuis mal fort depuis on monde rentré yo toujours visité tabouin et depuis on visité tabouin et aller avec un produit quand même. Épices là ça vient parce que nous par contre importance épices nous le plus souvent comme fille dans faire manger nous mettons ingrédients que nous voulons sac disponible. OK, mais moi-même c'est dans faire recherche moi t'ai venir découvrir que mélange épices qui est important ça gagne. OK, et surtout moi grand même qui fait sucre. OK, donc il la fait manger moi-même pas j'aime pas goûter manger même si mais na cadi. OK, donc là m'vinn garder ça m'vinn rendre compte m'vinn apprendre qui j'ai mélanger épices moi viens faire li ça vient permettre que moun qui gagne problème santé que ce soit tension sucre ça pas obligé que ou pas manger pas goût donc si on vient c'est on mange obligé faire à pas non donc c'est pour ça qu'il fait nous te préparer épices là donc c'est épices spéciales. Salani Création, c'est un atelier qui fait création artisanale. Côté nous travaillons avec fil, nous travaillons avec crochet. Nous faisons différentes barrettes pour maillot de bain, gain la dans bikini, trikini, pour mon albin, tout ça. Nous faisons rad tout pour toute occasion. Nous faisons bijoux. Il y a différents types de fils, crochet, il y a acrylique, il y a coton, tout ça. Donc ça c'est coton. Nous utilisons mais nous avec aiguille seulement pour nous faire différents modèles. Nous battons pour nous mettre beauté là-dedans, pour mettre élégance, pour nous mettre et puis pour les sentir à l'aise là-dedans tout. Parce que nous sommes dans un pays qui est chaud, donc nous battons pour nous bailler mesdames et pour nous caler corps tout ça. Et puis ça c'est un monokini. Donc si on monokini ça c'est en léa et puis ça c'est en bas qui c'est culotte là et c'est pour monde qui aime monokini donc nous travaillons pour eux nous fait bikini tout nous fait monokini nous fait trikini trois pièces yo. Donc moi ouais c'est pas seulement et crochet que on fait zano tout donc parlez-nous un peu de ça. Oui nous fait zano nous macramé donc nous utilisons différentes matières pour nous faire travailler parce que nous faisons maroquinerie, tout carton, tissu, tout ça, même si pas gain là, je dis. Hein. Nous utilisons différentes qualités et nous faisons avec crochet tout. Donc nous faisons macramé, nous faisons crochet, nous faisons ensemble avec maroquinerie. Hein. Donc si toutefois on a besoin d'un zano ou bien d'un monokini, comment la prajouer? Bon, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, tant que Facebook, Sadani Création pour acheter, Instagram, Sadani Création pour acheter. Et si les besoins de contact, nous tous, c'est 33 76 71 54. Moi, sur Radio Télé Pacifique. Donc, comment ça a déroulé pour première journée fois ça? Et pour première journée, timidement, j'ai monté descend bien que pas de grande foule, mais nous pensons que pendant la journée en cap fini, nous pensons que j'ai beaucoup plus de monté descend dans l'activité. Nous faisons trois éditions déjà. Je vais carrer ça comme troisième édition. Pour le moment, c'est un avant-goût de quatrième édition. Ça, c'est un pop art, ça veut dire un marketplace. Côté on nous avons venu, ou besoin de artisanat, ou besoin de produits créoles. Et vous passez dans le salon de la créativité pour prendre, bien que nous comptons faire chaque mois. Quatrième édition, alors, la lancée et très bientôt. Nous allons faire date. On a prêté connecté avec Team Anise pour nous plus ou moins connaître qui le 4e édition. Mais ça, c'est un mini foire que nous faisons pour tout le monde qui a aimé acheter des produits qui n'ont pas qu'à entreprise qui n'a pas qu'à magasin pour avoir un point de vente. Thank you.
Zanmi telespektatèr, mpa janm sispann di nou, ankouraje prodwi la kay nou. Achete yo, bay ou vale, ankouraje atizan nou yo. Pendan, ekip Eko Desert te pote emisyon sa pou ou, nou menm nap tonen semen pochen pou yon lot atizan.